Bonjour à tous, sur cette vidéo, je vais aborder les différents acteurs de l'aide à domicile. Donc, à savoir qu'il y a trois sortes d'acteurs de l'aide à domicile. Donc, il y a les services prestataires, les services mandataires et l'emploi direct dit gré à gré. Donc, pour commencer, nous allons parler du service prestataire. Donc, ça veut dire quoi en gros donc l'intervenant à domicile, il est employé et payé par le service prestataire qui s'occupe de tout ce qui concerne les aspects administratifs et les goûts. Les avantages pour la personne qui passe par un service prestataire, c'est qu'il n'a aucune responsabilité inhérente au statut d'employeur. Donc en fait l'employeur, c'est le prestataire, ce n'est pas la personne, ce n'est pas le bénéficiaire. Euh, le fait d'utiliser un, un service prestataire, ça garantit euh, de, de disposer d'intervenants qui sont formés et qualifiés. Euh, si c'est par exemple pour des aides à la toilette ou quoi, c'est sûr qu'on préfère avoir un intervenant qui est formé et qualifié. Donc le prestataire euh, propose aux bénéficiaires des, des salariés euh, qui sont formés et qualifiés. Ensuite, il y a un arrêt automatique du contrat si la personne elle est hospitalisée ou si elle venait, être, si elle venait à décéder. Euh, il y a la continuité du service qui est assurée par le prestataire, c'est-à-dire que si par exemple il y a une salariée qui part en congé, euh, le, le service prestataire va envoyer une remplaçante. Voilà, donc euh, en, en gros, ce qu'il faut retenir sur le service prestataire, c'est qu'il fait tout. Euh, il fait tout, donc la personne a juste à aller voir un service prestataire, elle demande une aide à domicile, et le, et le service prestataire se charge de tout. Donc ensuite, nous avons le service mandataire. Donc le service mandataire, c'est lorsque l'intervenant à domicile, il est employé et payé par le bénéficiaire. Ils sont liés tous les deux par un contrat de travail. En fait, le, le mode mandataire s'adresse aux personnes qui sont prêtes à assumer les responsabilités au statut d'employeur, mais qui souhaitent être déchargées des responsabilités administratives. Euh, dans, en passant par un service mandataire, les avantages pour le bénéficiaire sont qu'il a, qu a des conseils et, et un appui fourni par le service mandataire, comme la recherche du meilleur personnel en fonction des besoins du, du bénéficiaire. Euh, une procédure de recrutement simplifiée. Donc euh, le service mandataire va effectuer la recherche et la sélection de candidats potentiels. Ensuite, le choix du salarié. Le bénéficiaire étant l'employeur direct, il peut choisir son salarié. Euh, et ensuite, le bénéficiaire n'a pas de démarche administrative, comme par exemple l'établissement du contrat de travail. C'est le service mandataire qui s'en occupe donc le dernier donc l'emploi direct dit gré à gré l'intervenant à domicile est employé et payé par le particulier l'emploi direct s'adresse uniquement aux personnes qui sont prêtes à assumer l'ensemble des responsabilités et des obligations ainsi que les démarches administratives à la différence du mode, du mode mandataire. Dans le mode mandataire, la euh, le bénéficiaire est juste l'employeur. Il ne s'occupe pas des démarches administratives. A administratives pardon. Alors que dans l'emploi direct, le bénéficiaire s'occupe de tout. Donc les avantages de l'emploi direct, c'est que le bénéficiaire choisit son salarié euh, et qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le particulier et l'employé. Et les inconvénients, bien sûr, euh, en, dans l'emploi direct, c'est que le particulier a toutes les responsabilités d'un employeur et en plus de ça, il est en charge de l'ensemble des démarches administratives, comme établir le contrat de travail. A savoir que quand euh, on passe par un emploi direct comme ça, en allant sur le site Chèque Emploi Service Universel, euh, il y a beaucoup d'aide pour accompagner les bénéficiaires qui veulent passer par ce moyen-là. Par exemple, il y a des modèles de contrat, il y a plusieurs documents à télécharger pour les aider. Ils ne sont pas tout seuls à l'abandon. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le service prestataire, il s'occupe de tout. Euh, le bénéficiaire va aller voir un service prestataire, et dire qu'il a droit à une femme de ménage. Et après, le, le service prestataire s'occupe de tout. Euh, le service mandataire, il s'occupe de tout ce qui est administratif. Mais le bénéficiaire reste l'employeur et l'emploi direct, euh, le, le bénéficiaire s'occupe de tout, donc euh, tout ce qui est euh, administratif et il est également l'employeur. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous, vous aider euh, à comprendre la différence entre euh, le service prestataire, le service mandataire et l'emploi direct. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.